Mademoiselle Stone était citée comme témoin dans l'enquête sur l'attentat et sous la protection directe d'une force d'intervention spécialement mise sur pied pour retrouver les terroristes. Le ministère de la Justice se refuse. Hey, combien ils t'ont payé, fils de pute ? Combien ? Vous essayez de me dire quoi, là ? Tu sais que Don Levy t'a donné la clé. Jess a tout vu. T'es dans quel camp, putain de merde ? Et j'étais censé faire quoi, moi ? L'un d'entre vous m'a balancé à la police des polices, bordel ! Je sais plus à qui me fier. Mais sûrement pas à cette pute. Quoi ? Tu te souviens comment Don Levy a été refroidi ? Tu penses vraiment qu'Alvarez a pu l'atteindre dans cette foule ? Qu'est-ce que tu insinues, putain ? Il n'insinue rien du tout, il affirme que c'est toi qui l'as dégommé. C'est dingue ! Don Levy était un pourri, il travaillait pour le cartel. Ben voyons. Qui t'a dit ça ? Waters ? Tu l'as appelé, pas vrai ? C'est pas Dixon qui a amené Alvarez au club, c'est toi ! Non mais tu réfléchis à ce que tu dis là ? Je t'ai vu parler à Alvarez quand on était avec Duke. Et ensuite cette pauvre fille... Me fous pas ça sur le dos ! T'étais tellement occupé à plomber Alvarez que tu te foutais bien de blesser quelqu'un. Qu'est-ce que tu trafiques avec Alvarez ? Qu'est-ce qu'il cherche avec toi ? Il a dit qu'il me donnerait l'heure et le lieu du rendez-vous avec Duke en échange de l'argent qu'on a volé à Juan. Il doit me contacter. Alvarez est une ordure, mais si on veut Mendoza... C'est pas seulement une ordure, c'est un psychopathe. Et il est hors de question que je passe un marché avec ce fils de pute. Où est la clé ? La voilà, mais à quoi elle nous sert ? Je sais même pas ce que ça veut dire, Eagle Pass. Putain de code à la con. Moi, je sais. Accouche ? C'est quoi ? La question n'est pas quoi, mais où ? La Policía Federal de México está investigando lo que parece ser una violenta balacera cerca de la carretera 2 por Lago Seco, 30 millas al oeste de Ciudad Juárez. Se han encontrado varios muertos, pero todavía no han sido identificados. Un oficial dice que... Sur un trafic d'armement militaire entre les États-Unis et le Mexique. On a réussi à recruter quelqu'un au sein du cartel Mendoza.
J'imagine que tu vois de qui je veux parler. D'après lui, ce merdier remonte jusque dans les plus hautes sphères. Ils ont même réussi à se payer quelqu'un en plein cœur du ministère de la Justice. Et pas un petit scribouillard de merde. L'assistante spéciale du procureur général des États-Unis, rien que ça. Shen Dixon. Elle poursuit tous les autres cartels et protège Mendoza. C'est elle qui a mis en contact Mendoza et son fournisseur. Et je pense qu'elle est responsable de la mort d'un agent de la DEA. Mais voilà, la DEA ne sait pas qu'un de nos gars fait partie du cartel, et pour le protéger, on couvre tout un tas de saloperies. Ça me rappelle ce putain de Vietnam. Il était jamais question de faire le bon truc, mais de choisir le moins mauvais. Sacrifier sciemment quelques personnes, dans l'intérêt général. Je sais pas ce que tu peux faire de ces infos, mais il fallait que quelqu'un sache. Merde. Papa, est-ce que ça va ? Tout va bien, ma chérie. Il est tard. Tu devrais aller te coucher. On se verra demain matin. J'ai une réunion à la DEA aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. Ouais, on a vu le résultat. Ça ne prouve rien. C'est des rumeurs. Il nous faut Duke ou Mendoza ou n'importe qui du cartel pour que ça devienne une preuve. Je voudrais que tu remettes ça à un de mes vieux amis. Un ancien ami, plus exactement. Ben McCall. Ce message lui est destiné. Ben, si tu entends ça, tu sauras que je suis mort. Je voulais juste m'excuser. Tu avais raison. Depuis le début. À l'époque de Saigon, j'ai écouté Tony au lieu de t'écouter toi. Je ne me le suis jamais pardonné. T'es un chic type. Tu l'as toujours été. Il suffit de voir comme tu t'es battu pour rendre justice à cette pauvre Vietnamienne massacrée. T'as jamais lâché, même quand ils t'ont démonté. C'est pour ça que je t'ai envoyé Jess. J'ai confiance en personne d'autre pour la protéger. Avec toi, je sais qu'elle est en sécurité. Je suis désolé. C'est Alvarez. Alvarez. Ben, c'est toi ? T'arrives pas à lâcher l'affaire, hein ? Pourtant, Saigon, ça date pas d'hier, mon pote. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'était hier ? Il est pas question que je te laisse t'en tirer comme ça. Mais malheureusement, je suis du genre réaliste. Alors allons-y. Dis-moi où je dois te laisser ton putain de fric. Nous a pas menti, bien sûr. Tenez-vous prêts. Prenez ce qu'il vous faut et montez dans la voiture. La rencontre aura lieu en dehors de Juarez, dans les ruines d'un ancien fort, près de la frontière. Mendoza y planque la collection d'art aztèque qu'il a piqué et qui veut refourguer à Duke. Mais ce fort a d'autres secrets. Il y a un tunnel souterrain menant tout droit des donjons jusqu'à la frontière. Idéal pour passer de la CAM, des clandestins ou des armes. Le côté américain du tunnel est dissimulé au sous-sol d'une ancienne ferme, moins d'un kilomètre après la frontière. C'est le moyen le plus sûr pour traverser. On s'y retrouve le 8 août, à midi pétante. Ben, écoute-moi. Je connais un collectionneur qui paye un max pour les vieux trucs. Et j'ai super besoin d'argent pour le bébé. Tu pourrais m'aider ? Si ça peut te sortir de la rue. J'essaie, Ben. Tu le sais, en plus. Ils nous ont vus. Et s'ils commencent à tirer ? On répond. C'est un gros dur en apparence. Mais il a un vrai cœur d'artichaut. T'es-tu pas mignon ? Je peux vous aider ? Ouais, brigade des mœurs. On est là pour enquêter sur l'implication de mineurs dans une production pornographique. Pornographique ? On peut faire un petit tour ? Vous avez un mandat ?
Ouais, on peut en avoir un. Mais avec, on ramène les brigades de choc, les chiens et la moitié des shérifs du pays. Ça te va? C'est une propriété privée, du con. Montrez-moi un mandat ou cassez-vous d'ici. Tu vois, ton attitude de petit trou du cul me fait penser que tu caches quelque chose. Et ça, c'est pas bon pour ta sale gueule. À couvert. On fait sauter la serrure et on entre. Merde. Tout droit. Joli tir, chef. Bon, bah, pour vous en occuper, on dirait. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Fouillez la grange. Ils se sont barricadés. On y va, à mon signal. Chut. Attendez mon signal. Allez! Eh, hey, du con! Je l'ai tous! Attention! Police! Par ici! Je vous donnerai le signal. Maintenant. Eh, hey, du con. Je l'ai tous. Attention. Police, tout le monde à terre. Laissez-en comme ça. Ces bâtards! Merde, je suis en train de cramer! Ouvrez la porte! Le toit va s'effondrer! Héros, dégommez-le! Sortez d'ici! Vite! Vers l'immeuble! Allez! Mettez-vous à couvert! On peut pas rester ici. Faites diversion, je vais me rapprocher de l'immeuble et les prendre à revers. Go, on vous couvre. Tuez, fils de pute. C'est parti. Tuez. Je vais te tuer.
Sors ta gâchette, salope! Démolissez-les. Sale pute! Anéantissez-les! Putain! Tu s'en tiens! Massacrez-les! Attention! Tout va bien! Venez là! Allez au sous-sol! Attendez! Bougez pas! On a des tangos en dessous. Tenez-vous prêts! Allez! Là, là, là! Tout droit! Police! Laissez-en, copain! C'était le dernier. L'entrée du tunnel est quelque part là-dessous. Y'a rien ici. Alvarez s'est foutu de notre gueule. C'est ici, forcément. C'est caché, c'est tout. Fouillez chaque centimètre, on rasera toute cette merde s'il le faut. Tu dois vraiment me faufiler ? Alvarez a dit que l'entrée se trouvait dans un mur. Je vous le dis, ce connard s'est foutu de nous. Je vois rien. Continuez à chercher. J'ai trouvé quelque chose. Voyons voir. En fait, je crois qu'il s'est pas foutu de nous. En tout cas, pas cette fois. Pas de bruit. Allons-y. Restez groupés et gardez les yeux ouverts. Les dames d'abord. J'en ai vu des tunnels le long de la frontière, mais aucun comme celui-là. Certains vieux forts espagnols avaient des tunnels d'évacuation. Ça pourrait bien être un de ceux-là. Les contrebandiers ont fait passer tellement de merde depuis que cette frontière existe. Je parie même que la mafia utilisait ce tunnel pendant la Prohibition. C'est là que Juarez est vraiment parti en couille. Depuis, c'est devenu le paradis du trafic. Si t'as de l'argent, t'y vas, et tu peux obtenir tout ce que tu veux. T'es encore perdu. J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis, ou un truc de ce genre. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Baissez-vous!
Je pense que c'était le dernier. Merde! Quelqu'un droit devant. Neutralisez-les rapidement. Faut pas qu'ils appellent leurs potes. À droite! Faites tes terres! Butez-les! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Vous savez, vous pouvez aussi nous en laisser. Ils ont piégé le tunnel. Barrez-vous! Barrez-vous maintenant! Courez! Vous êtes encore vivant ? Vous êtes où ? J'en ai aucune idée. Bon Dieu de merde. Bonjour. Tirons-nous d'ici. Vous avez qu'à tirer à pied de face. Par là. C'est des impacts de balles, ça? Je suis sûr qu'on peut trouver des squelettes en cherchant bien. Un paquet de connards sont morts là-dessous en faisant passer des conneries par la frontière. Vous en pensez quoi, Ben? Ces impacts ont sûrement plus de 100 ans. Je crois que vous devriez moins la ramener. On est juste en dessous du fort. Alors fermez vos gueules. Silence. Je crois que ce chemin mène à la cour intérieure. Tout va bien. Allez, bouge ton gros cul! Eh ben ça va, je me dépêche, je te signale. Vous êtes prêts? En piste. En position. Maintenant. FBI, tout le monde à terre! À terre. On est bon?
Attention, il y en a encore! Au-dessus! Ils arrivent. Cette gamme. Dehors! Il faut choper les armes! On bouge! Maniez-vous, Guerra! On dirait que ces enfoirés vont rester plantés là! Génial! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Dehors! Il faut choper les armes! On bouge! Maniez-vous, Guerra! On dirait que ces enfoirés vont rester plantés là! Génial! J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de genre. Vous seriez à la morgue, je vous signale. D'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Je pense qu'ils sont tous morts. Oh putain! Et maintenant? Maintenant, on fait tout disparaître. Duke et Mendoza vont être tellement furieux.
C'est bien l'idée, qui se saute à la gorge un peu. C'est ma mission dans la vie. Péter les couilles des fils de pute de racailles comme ces deux merdes-là. La légende locale sur Lord Juarez. Jesus rêvait de le découvrir quand il était petit. C'était la rançon de Montezuma, retenue en otage par Hernando Cortés. Ils l'ont cachée dans les collines près de Juarez. Elle était considérée comme maudite. Je crois pas aux contes de fées. Moi non plus, amigo. Mais l'or a disparu. Et mon unique enfant avec lui. Et tu étais censé le protéger! Ah ouais? Et comment j'aurais pu réussir? Toute la police de L.A. est à la solde de ton salopard de trafiquant d'armes. Duke vient de m'envoyer un message. Regarde. Putain. Duke nous a enfumés tous les deux. Et le flic qui a tué ton fils. Pour qui tu crois qu'il bosse, hein? Il a pris l'or. Il a tout pris. Tu veux que je le retrouve? Pour l'instant... Je veux juste enterrer mon fils. Chef, on vient de recevoir un message des Mendoza. À quel point Eddie est mort à cause de ça. Je pense que vous devriez l'arrêter, McCall. Et Evans aussi. Arrivé là, je ferai confiance à aucun des deux. Vous êtes où, là? Où on est? Au plus profond de la merde, à mon avis. On pourra pas en revenir. Trois jours et toujours pas de feu d'artifice. Je me demande pourquoi ils se sont pas encore égorgés. Ils vont le faire. Prenez une arme. On y va. Vous faites quoi, McCall? Vous voulez qu'on nous grille? Je veux juste m'approcher un peu. On est là pour observer, pas pour rentrer dans le tas. Ils sont beaucoup trop nombreux. Putain, il a encore plus de gardes du corps qu'Obama. Ils sont sur nous avant qu'on puisse s'en mêler. Je veux juste voir son visage. Vous voulez rester ici? Alors restez ici. On y va. Attendez, courez! C'est qui ça? C'est Duke! Quoi? Dans quelle merdier on a foutu les pieds? Suivez-moi! Où est-ce qu'on va, Ben? À mon avis, il n'en sait rien. Je sais exactement où je vais. Oh merde! Il veut se faire Mendoza? Et un point pour la demoiselle! Mais vous êtes dingue ou quoi? On a besoin de son témoignage pour faire tomber Dixon, Duke et toute cette bande de traîtres. Sans Mendoza, c'est notre parole contre la leur. Et d'après vous, qui le procureur général va écouter? Merde, vous avez raison. Il nous faut ce fils de pute vivant! Vous vous entraînez avec ce truc?
Ne tirez pas! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Vous le voyez? Par là! On le chope! Le voilà! Ne laissez pas s'échapper! Ne perdez pas Mendoza! Salope! Putain! Tout le monde va bien? Trouvez Mendoza! Où est Mendoza, bordel? Il s'est enfui par là! Coursez-le! Gauche. Ah, la pluie.
Attention! J'ai pas le temps de jouer là! Faut que je raccroche du con, je suis occupé! Putain! Vous voulez pas arrêter de draguer pour nous aider un peu là? Par ici! C'est pas ça qui le sauvera! Trouvez un abri! Trouvez-le, avant que l'armée de Duke se pointe. Il est parti vers l'église. Chopez ce fils de pute! Attention! Mettez-vous à couvert! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Enfermé là-dedans. Mendoza, si tu veux t'en sortir vivant, tu dois venir avec nous. Maintenant. Va te faire mettre. Ok, alors on arrive. Attendez mon signal. Allez. Police. Vous entendez ça? Allons? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Au portail! Attention, c'est pas fini. Attention. Vous pouvez aussi nous en laisser. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de ce genre. Visez, merde! Mettez-vous à l'abri! Oh, merde! Mendoza! Juan Mendoza! Alors! C'est qui le donne cul maintenant? On a passé un accord, Juan! Mettez-vous tout à voir! L'or et les armes! Tu ne mérites pas tous ces trésors anciens! C'est des gâchis pour une ordure comme toi! Tu crois vraiment qu'un homme comme moi, descendant direct du général Robert,
toi ça, espèce de péteux. Vous l'avez eu. T'en veux encore? C'est ça. Il est cuit. J'imagine que Duke pourra plus témoigner maintenant. Ce qui veut dire qu'on a doublement besoin de Mendoza. Je crois que c'était le dernier. Allons chercher Mendoza. Je préfère crever plutôt que de laisser ce fumier s'en tirer.